femme et moi et mes enfants, quand ils étaient jeunes, nous étions comme toutes les familles françaises, en tout cas comme beaucoup de familles françaises, très désireuses d'avoir un animal domestique. Même dans une vie justement aussi contraignante que la vôtre, avec toutes les responsabilités. Vous avez raison qu'il y a, il faut éviter l'égoïsme, c'est-à-dire, et ça, je le sais. C'est pourquoi, quand il y a des enfants au foyer, on peut se partager, parce que être pris du matin jusqu'au soir et ne voir la bête que l'on aime que quelques minutes par jour, c'est d'un égoïsme gênant. Partir, laisser son chien ou laisser son chat à un voisin indifférent, ce n'est pas convenable. Donc c'est vrai, la vie est difficile. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut hésiter avant de reprendre un chien domestique ou un chat domestique, car on ne peut pas l'avoir uniquement pour soi. Il faut penser aussi un peu à ce petit animal. Mais quand on peut le faire, je crois qu'il faut le faire. Et en particulier, un mois de vacances à la campagne sans son chien n'est pas un mois de vacances parfait. Il faut donc essayer de faire en sorte que l'on puisse vivre avec un animal quand on le peut. Le hasard a fait que, alors que j'étais habitué au chat dans toute mon enfance, l'opinion de ma famille a plutôt été favorable aux chiens. Et pendant des années, nous avons vécu, mes quatre fils, ma femme et moi, avec un caniche qui nous a suivis pendant toute notre vie. Cette caniche a ainsi connu les salons dorés de Matignon, du ministère des Finances, du ministère des Affaires étrangères. Elle a vieilli, elle est morte, cette chienne, cette caniche. Elle connaissait près de 80 mots. Mes enfants l'avaient bien dressée et c'était une chienne d'une intelligence exceptionnelle. Puis, nous avons eu une jeune chienne berger alsacien. Moins intelligent, certes, mais beaucoup plus affectueux, très bon caractère. Et cette chienne est morte jeune encore. Alors, pour le moment, je retrouve un peu mon vieil amour pour les chats. À vrai dire, dans cette maison de Mont-Louis où nous sommes, nous avons toujours été entourés de chats. À distance respectueuse, puisqu'il y avait un chien dans la maison quand nous venions. Mais c'est ainsi que, je peux dire, nous avons fait amitié avec une chatte, dont cette bonne chatte que vous voyez est la descendante. Cette chatte était une chatte d'une rare intelligence. Et je vais vous raconter une histoire, et je vais même vous en raconter deux. Cette chatte, qui habitait chez nos voisins, attendant des petits, était un petit peu nerveuse avec les enfants. Notre voisine décide de la donner à des parents qui habitent à 60 km d'ici. On la met dans un panier, le panier au fond de la voiture, et on s'en va. Puis, quelques jours après, ma voisine apprend par une lettre que la chatte a fait ses petits, mais puis qu'elle est partie. Et trois semaines après, la chatte était de retour. C'est ce mystère de l'orientation de certains animaux. Cette même chatte était assez extraordinaire. Par exemple, alors que les autres chats du voisinage s'en allaient
dès que notre chienne arrivait, cette chatte, une fois pour toutes, avait fait face à la chienne, et durant toute leur vie à toutes les deux, elles se sont respectées, ou plutôt, notre chienne l'a respectée. Il lui est encore arrivé une histoire. Cette chatte a eu des chatons. Notre voisine, à qui elle appartenait, car elle vivait chez elle, supprime les chatons. Et quelle n'est pas sa surprise, 48 heures après, de voir autant de chatons qu'elle en avait pris. La chatte était allée chercher les chatons d'une autre chatte, tellement son instinct maternel était profond. Ce qu'il faut savoir, et je crois que tous les amis des bêtes le savent, c'est que, parlant des chiens ou parlant des chats, c'est un peu comme les êtres humains. Aucun n'est semblable à une autre, à un autre. L'intelligence, l'affectivité, la fidélité, ce sont naturellement des traits communs à telle ou telle espèce de chien ou de chat. Mais chaque petit animal a sa personnalité. Et quand nous parlons caniche, nous évoquons notre chienne. Mais nous savons que notre chienne avait des particularités que nul autre caniche n'avait. Et quand nous évoquons ces chats, nous pensons à cette chatte qui avait vraiment une personnalité. Il n'y a pas seulement l'amour instinctif des bêtes, il faut aussi les comprendre. Et il y a des rapports entre l'être humain et l'animal qui sont des rapports très profond. Et vivre toute une vie sans avoir un chien ou sans avoir un chat, quand naturellement les conditions matérielles le permettent, ce n'est pas une vie tout à fait complète.